Bonjour, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va regarder comment je fabrique ce canapé d'angle. Je débite toutes mes pièces de bois dans du 34 mm et du 45 mm en épicéa brut. Je passe ensuite au corroyage de toutes mes pièces de bois. Une fois le tout corroyé, je peux mettre tout aux bonnes dimensions. Ici, je monte les caisses à blanc avec des passes rapides pour repérer l'emplacement des dominos. On passe ensuite au collage des trois structures rectangulaires.
On passe maintenant à la mise en place des tasseaux qui supporteront toutes les assises. Ils sont simplement collés et vissés. Maintenant, je me trace un petit gabarit sur une bande de parquet flottant pour l'usinage des supports de dossier. Je le découpe à la scie sauteuse et je termine avec un bon coup de papier de verre pour adoucir la courbe. Maintenant, je dégrossis mes supports de dossier à la scie à ruban, mais en prenant bien soin de ne pas manger le trait. Mise en place du gabarit, ici je peux me permettre de mettre des vis car elles tombent toutes dans les endroits où ce sera redécoupé par la suite. Mise en place d'un calibreur avec son roulement. Je passe au calibrage de toutes mes pièces, mes supports de dossier. Par contre, là, pour la vidéo, j'ai enlevé toutes les protections, mais il est impératif de bien tout utiliser. Une fois tout calibré, je peux ensuite passer à toutes les autres coupes.
termine toutes les entailles à la scie japonaise et au ciseau à bois. L'usinage d'un petit chanfrein sur toute la structure. Les supports de dossier sont simplement collés et vissés. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette première partie, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, partager. Merci.